Bonjour à toutes et à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ces 38 minutes d'évasion. Alors pour cette nouvelle invitation au voyage, qu'est-ce qui vous attend à votre avis? Parce que chaque jour on vous concocte des surprises. Eh bien, aujourd'hui nous avons rendez-vous sur le port de Marseille, avec un ambassadeur de la ville qui sait se faire mousser. Le savon, son odeur, sa texture, sans oublier son goût, c'est une madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous. Vous verrez comment ce petit cube a réussi à s'imposer à travers le monde. Invitation au voyage, c'est tous les jours, trois voyages différents. Et dans quelques instants, nous irons taquiner l'emblème de la ville de Berne, les ours. Avant cela, direction la Méditerranée avec ceci dans notre valise. Alors ce n'est pas un simple morceau de savon, c'est du savon de Marseille. Ce petit cube va transformer la ville et sa région de fond en comble. C'est l'héritage du jour. Voilà. Elle y manque un peu de sel. Il se déguste comme un grand cru et fait résonner le nom de sa ville dans le monde entier. Entre Marseille et son savon, l'histoire dure depuis plus de 6 siècles. Si on va parler à chaque Marseillais, à chaque famille, il y a un lien, quelqu'un de la famille qui a travaillé dans le savon. Et ce savon, c'est la madeleine de Proust de tous les Marseillais. Ils le prennent en main et ils nous racontent leur grand-mère, leur maison de campagne. Donc il y a un lien émotionnel très fort aussi entre l'histoire de Marseille, des Marseillais et de leur savon. Au-delà du mythe, se dessine l'histoire de toute une région. Ce petit cube indémodable raconte comment Marseille, modeste port, est devenue une grande cité industrielle, deuxième ville de France. Dans la région, des dynasties de négociants, des armateurs et des fabricants ont bâti des fortunes autour de ce savon magique, à la formule pourtant toute simple. De l'huile, de l'eau, de la soude et du sel. L'origine de cette histoire se perd dans la nuit des temps, en Syrie. Le savon d'Alep, fabriqué à base d'huile d'olive, séduisait les favorites des harems princiers pour ses propriétés antiseptiques et hydratantes époustouflantes. Les croisés l'auraient alors rapporté dans leur valise, le diffusant dans le bassin méditerranéen. Très vite, il arrive pas assez de savon d'Alep par rapport au nombre de commandes qu'on a du reste de l'Europe. Donc on se met à bien sûr ne pas refuser ses commandes, mais à fabriquer du savon de Marseille. Et le savon de Marseille est né sur le port de l'import-export qui s'y pratique. À l'époque, c'est à Marseille que débarquent les matières premières de ce savon miraculeux, y compris l'huile d'olive, celle de la région étant réservée à la table. La ville en devient donc le premier fabricant français dès le XVIIe siècle. Mais les contrefaçons inondent déjà le marché. Afin de protéger le vrai savon de Marseille, Louis XIV, informé de la mauvaise qualité de certains savons, fixe par un édit ses règles de fabrication. Il proscrit toute graisse animale et le savon doit être fabriqué en chaudron et dans la région. Derrière le vieux port, l'activité s'organise autour du cours Estienne-d'Orve. On peut encore y déceler les traces de ce glorieux passé, telles que les cheminées des premières fabriques dans les arrière-cours ou des places aux noms évocateurs. Les anciens arsenaux des galères servaient alors d'entrepôt aux commerçants. Aujourd'hui, bordés de cafés et de magasins en vogue, on retrouve sur cette place, avec un peu d'imagination, le décor de la vie marchande à Marseille à cette époque. Cette place, c'était la plaque tournante de la rive industrielle savon de Marseille, puisqu'ici arrivaient les huiles.
il y avait au milieu un grand canal et les bateaux passent et posent leur cargaison sur les côtés. Et on imagine donc l'huile monter directement, être transformée dans les usines. Et une fois la matière première transformée en savon, les cargaisons repartent vers le Vieux-Port et dans le monde entier. Les fabriques se multiplient, on en compte une soixantaine. Et Marseille se retrouve en quasi-monopole. Cette activité fait le beurre d'une caste de négociants en huile. Pour eux, le petit cube est un moyen de valoriser leurs marchandises. À deux pas de la place aux huiles, la place Estrangin témoigne de la puissance de ces riches industriels qui, par un savant jeu d'alliance maritale, se retrouvent à la fois savonniers, négociants et armateurs. Ces grands négociants vont prendre une place très forte dans la vie économique de la ville. Ils seront fondateurs des banques, fondateurs des caisses de secours mutuelles. Je pense à Jules Charleroux, qui crée la caisse d'épargne. Ils vont avoir une influence sur la nomination des ministres de l'économie et des finances. Ils vont créer leur siège dans ce quartier et faire de Marseille une place forte économique ici, dans ce quartier Estrangin. Face à cette effervescence, le Vieux-Port se retrouve à l'étroit dans sa calanque originelle. Au milieu du 19e siècle, il s'étend vers le nord. On construit des nouveaux bassins, des docks et des entrepôts, aujourd'hui reconvertis en lieux de vie branchés pour les Marseillais. Les fabriques de savon suivent le mouvement en quête de plus grands espaces. Dans le nord de la ville, dans le quartier Sainte-Marthe, trône la savonnerie du fer à cheval. La plus ancienne encore en activité, ouverte à la visite. Elle a été créée en 1856, en plein âge d'or de la savonnerie. Là, il est en train de rouler, là. Ouais. Hein? Bon, là, tu l'as bien terminé. Là, il lui manquera de mettre un poil d'eau tout à l'heure. Impeccable. Voilà. C'est une chose vivante, le savon. À l'époque, quand on faisait le savon, on le laissait sécher. Et comme à Marseille, on était réputé d'avoir le Mistral, le savon, il séchait plus vite. Le savon de Marseille est à la fois utilisé pour la consommation des ménages, mais aussi pour les activités industrielles, comme le textile. Ces deux débouchés se développent tout au long du siècle. Et là, le savon de Marseille peut être produit en de plus grandes quantités. Il peut être aussi davantage exporté vers les colonies. Le domaine colonial français s'accroît au cours de la Troisième République. On change d'échelle. On a des usines qui sont à la fois des huileries, des savonneries, des fabriques de beurre végétaux. Et donc, ça devient vraiment des ensembles industriels très performants. La fabrication de savon est un métier difficile et parfois dangereux. Mais l'œil de la bonne mère, la Vierge protectrice de la ville, veille sur les travailleurs. Si le métier a évolué et que les maîtres ne traversent plus les chaudrons sur des planches en bois, elle est toujours là pour être sûre que le savon se vende bien. Au sommet de sa gloire, le secteur du savon embauche jusqu'à 10 000 personnes. Lorsque l'activité va se mécaniser, pendant la deuxième révolution industrielle, va atteindre aussi une taille très importante et on va avoir beaucoup d'emplois déqualifiés. Et à ce moment-là, on voit arriver une main-d'œuvre italienne qui peut se faire embaucher dans ces usines. Et à la toute fin du 19e siècle, début 20e, on voit aussi apparaître une main-d'œuvre algérienne. Alors cette main-d'œuvre, dès que l'usine s'installe dans le nord de Marseille, dans une zone rurale où il n'y a pas encore d'urbanisation, ou encore même plus loin dans le chenal de Caronte, comme il y en aura dans les années 1920-1930, si on veut avoir une main-d'œuvre suffisante pour pouvoir faire fonctionner l'usine, il faut construire des logements, donc des cités ouvrières. Cette occupation du terroir, qui existe déjà au début du 19e siècle, s'est densifiée au point de faire disparaître complètement la campagne et d'avoir un tissu urbain presque continu entre l'Estac et le port de Marseille traditionnel. Le succès des savons marseillais fait des émules dans la région et d'autres villes décident de se lancer dans l'aventure. Salon de Provence, à 50 km de Marseille, va s'imposer. Ses importantes ressources en huile d'olive et surtout l'arrivée du chemin de fer vont lui permettre de devenir l'autre capitale du savon de Marseille. Émerge alors une nouvelle baronnie du savon.
L'image de la ville va être complètement transformée à la fin de ce 19e siècle, au début du 20e. On va voir la construction de nouveaux quartiers, puisque effectivement ces négociants vont s'installer à Salon. Et leur installation va se faire dans les quartiers ouest, qui sont les quartiers attenants à la gare SNCF. Donc ils vont percer des allées, agrandir les rues pour former des boulevards bordés de platanes. Et il va s'installer une sorte de compétition de point de vue de l'architecture. Le négociant avait à cœur de montrer sa richesse. Donc toutes ces demeures de style différent, très ostentatoires. Ces négociants à la richesse fulgurante dessinent la vie mondaine et culturelle de la ville. Le théâtre, par exemple, est financé par l'un d'entre eux et l'actuel palais de justice a été érigé en 1903 par le sieur Armieux, un illustre savonnier de l'époque. Ce style est un style d'un pastiche absolu. Nous avons ici un monument qui a été fait en plusieurs blocs. Et ces tuiles, qui ne sont pas des tuiles provençales, mais bien de l'ardoise, qui était un matériel assez cher aussi, et qui pouvait aussi faire valoir de la richesse de son propriétaire. Et donc là, on a vraiment un style architectural complètement décousu, alliant le romantisme avec le néo-médiéval. Et là, c'était vraiment le délire total du propriétaire. Le sœur Armieux était amoureux d'une cantatrice belge et cette chanteuse qui se produisait un petit peu partout en Europe, pour elle, il a voulu construire une salle de spectacle en fait dans sa demeure, dans ce petit château Armieux. C'était vraiment un lieu de rencontre et un lieu où les notables et la haute société salonnaise venaient se rencontrer ici. Les savonniers vont faire souffler un vent de modernité sur la petite ville de Salon de Provence. Certains font appel au savoir-faire des ingénieurs et des artisans les plus pointus, comme dans cette demeure de la fin du 19e siècle, aujourd'hui habitée par Nathalie Delsal, qui s'est passionnée pour cette histoire. J'étais fascinée par ces décors et puis par leur fragilité aussi. J'ai été particulièrement sensible à ce bâti intermédiaire qui est entre un savoir très ancien et un savoir industriel de type Eiffel, hein, avec une architecture métallique, quelque chose de beaucoup plus moderne. On a effectivement travaillé les décors. On est allé chercher des sols qui n'étaient pas présents localement, des carreaux de grès cérame dans le centre de la France, une société qui à l'époque avait été primée à Paris Grande Exposition de 1900. On a réalisé des gypseries dans le vestibule, qui est notre salon de musique. On a fait faire des peintures, donc des toiles, les toiles de Delpien. Donc on est allé chercher un peintre quand même qui était une référence décorative à Marseille. La lumière dans le vestibule est fabuleuse. Elle est zénitale. Le vestibule est a priori une pièce aveugle, mais elle est surélevée pour pouvoir l'éclairer de 12 œils de bœuf, qui sont des vitraux en fait, qui représentent ce qui a fait la fortune du savonnier, c'est-à-dire des rameaux d'olivier. Tout ce qui a fait la richesse du propriétaire est quand même largement représenté. Le rameau d'olivier, symbole de richesse, d'immortalité et d'espérance. Si l'âge d'or du savon de Marseille s'achève dans les années 40, le petit cube reste dans l'air du temps et continue de faire briller l'image de la région dans le monde entier.